Ma chérie, tiens, je t'ai apporté une petite surprise. Tu... vraiment ? Des bijoux ou des diamants peut-être ? C'est une bague ? Je veux savoir ce que c'est maintenant ! Je ne peux plus attendre ! Alors, c'est... une poêle ! Une poêle vraiment lourde ! Parfaitement lourde pour te frapper avec ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pendant combien de temps encore vais-je devoir supporter ça ? Je te donne tout mon amour ! Et en échange, je reçois une poêle ! Hein ? Prends ça ! Aïe ! J'en ai assez ! Ça fait trop mal ! Je n'en reviens pas. Ça suffit. Ça fait super mal. Une poêle. Je vais trouver un homme qui prendra bien soin de moi. Et s'il m'offre une poêle, elle sera fabriquée avec des diamants. Oh que oui. Et du coup, j'ai dit, viens ici, espèce d'idiot. Il a eu peur et il est parti en courant. C'est si drôle. C'est tellement agréable. Oh, j'ai pas de chance. On doit vraiment acheter le même pour le salon. Il ne s'est même pas retourné pour me faire un signe de la main. C'est quand même dingue. Allons-y, je vais te raconter une autre histoire. Je ne veux pas écouter tes histoires, idiote. Il ne s'est même pas retourné. Eh bien, je vais lui donner une leçon. J'aurais dû lui dire d'aller directement chez moi. J'ai fait une erreur avec lui. Encore une. Si j'en suis là, c'est à cause de ma première erreur. Mais cela n'arrivera plus. Je vais briser ce cercle vicieux. Oh, mon Pierrot. Je me suis vraiment trompée. Mais tout ira bien. Je peux tout réparer, tout arranger. Et tu seras à nouveau à moi. Ça va juste demander un peu de temps. Mouah. Comme ça. Et la touche finale. Je suis prêt. Qui est là? Oh. Voilà, j'aimerais travailler. Super, rentrez, il y a un tas de choses à faire ici. Il faut accrocher ce cadre. Oui. Accrochez-le ici. Oui, bien sûr. Super travail. Oui, merci beaucoup. Continuez, je vais vous laisser tranquille. Encore un peu. Et voilà, ce n'était pas si dur. Mince, il ne tient pas. Oh! Pourquoi je n'y arrive pas? Bon, calme-toi, Lisa. Tu n'es pas là pour ça, de toute façon. Est-ce que ce sera la tragédie du siècle? Ou plutôt la comédie? Alors, je vais jeter ce merveilleux shampoing. Et je vais verser la coloration là-dedans. Super idée! Maintenant, secoue, secoue! Ce sera aussi bien que dans la publicité. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne douche bien chaude. Et maintenant, je vais me laver les cheveux. Ce shampoing sent différemment aujourd'hui. Ou c'est peut-être mon imagination? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, lis à voix haute! Je suis de retour! Maintenant, je vais juste sécher mes cheveux. Oh, punaise! Quel est votre problème? Non, quel est mon problème? Peut-être qu'elle pourra les laver? Bon, j'ai déjà fait un trou ici, et ici, et même ici. Bon, où est-ce que je peux accrocher ces bêtises? Je pense qu'on peut essayer de les mettre ici. Un peu de sel, voyons voir. C'est délicieux. Excellent. Je vais laisser reposer pendant quelques minutes et après, j'appellerai mon chéri pour le dîner. Il n'y a personne. La voie est libre. Eh bien, une bouteille de sauce piquante n'a jamais gâché un plat. Je vais te montrer, mon chéri. Je cuisine seulement pour toi, mon chéri. Miam. Bon appétit. J'adore te préparer à manger. Je vais goûter. J'ai la gorge en feu. Je ne comprends pas. Tout ça par amour. Ne laisse pas l'ouvrier tout seul dans ton petit nid d'amour. Un parfum cher? Vraiment? Je vais le vider par la fenêtre. Quel dommage! Où est mon assistante? Eh bien oui, j'ai parfois une mouflette avec moi. Et alors? C'est par amour. Uniquement par amour. C'est désagréable, je sais.
Mais le résultat est excellent. Maintenant, je vais tout récolter dans ce flacon. Je suis la meilleure parfumeuse du monde. Cette odeur est vraiment horrible. Juste pour toi, ma jolie. Je crois que je vais mettre un peu de parfum, au cas où il y aurait une sortie romantique inattendue. Ah, mon parfum préféré. Oh, bœuf. Je crois que je vais vomir. Il faut que je m'en débarrasse. Mon chéri, j'ai changé d'avis. On peut rester à la maison ce soir et regarder un bon film, juste tous les deux. D'où vient cette odeur nauséabonde? C'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Ah, ça me brûle les yeux. C'est juste du parfum. Tu ne m'aimes plus? C'est toi qui le dis. Youpi! Bon, je ne sais pas trop. Ici et là. Je vais continuer de faire des trous. Je suis un professionnel, après tout. Allez, ma jolie, ne pleure pas. Je suis trop sensible. Je sais ce qui va te remonter le moral. Regarde, cette fleur est pour toi. Elle est trop belle. Ah, merci, tu es vraiment adorable. Tu mérites un bisou. Non, c'est trop tard. Je t'adore. Je n'en reviens pas. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Sors d'ici. Et toi aussi. C'est ma maison. Mais je peux tout expliquer. Je suis à nouveau toute seule. Et tout ça à cause d'un bisou. Eh bien, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire dans le mur? Il a fait des trous partout. Je ne m'attendais pas à ça. Le voilà. Et je vais apparaître sur mon 31 et lui tomber dessus par hasard. Il ne pourra pas résister. Où est-ce que je peux trouver l'argent pour réparer le mur? Oh. Oh, je suis sortie à la hâte. Je ne me suis pas du tout regardée dans un miroir. J'espère que je ne vais pas voir quelqu'un que je connais. Oh. Oh, quelle déesse. Salut, Pierrot. Ah. Ça me fait plaisir de te voir. Pas autant qu'à moi. C'est tellement bien d'être de nouveau ensemble. Et puis je me suis dit, c'est une sortie parfaite pour aller dans le jardin. Tu es tellement débrouillard. Je n'en reviens pas. Et du coup j'ai dit, viens ici espèce d'idiot. Il a eu peur, il est parti en courant. C'est impensable. Il ne s'est même pas retourné pour me faire un signe de la main. Maintenant, je vais te raconter une nouvelle histoire. Voilà, je cherche du travail. Bien sûr, mec, j'ai beaucoup de travail pour toi. Super. Et prends tes jouets avec toi. Mais Lisa... Pars. Sors d'ici. Tu m'as brisé le cœur. Regarde toutes les affaires que j'ai. Mais peut-être... Il n'y a pas de peut-être. C'est tout. Je ferme la porte après toi. C'est comme ça. Hé, je vais te montrer, Tata. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Oh, je suis prête. Ça va être une magnifique soirée. Tu vas vraiment passer une magnifique soirée, oh oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, une horde d'abeilles est en train de m'attaquer. Laisse-moi tranquille. Je dois sauter. Mon amour, tu es incorrigible. Oh, où est mon adorable femme? J'espère qu'elle ne va pas me faire attendre. Je suis là. Oh, mince. Je ferais mieux d'y aller. Je suis juste tombée. Mais tout va bien, vraiment. Je dois quand même y aller. J'ai un tas de choses à faire. C'est très urgent. Tu m'appelleras? Non. Comment ça, non? Il ne va pas m'appeler. Quel dommage. Maintenant... J'ai trop de choses à faire. J'adore vraiment les journées comme ça. Il est temps de passer à l'action. Tu vas regretter de m'avoir mis à la porte avec toutes mes affaires. Alors, où est-ce que je peux le mettre? C'est l'endroit parfait. Oh, je suis exténuée. Après une longue journée de travail, j'adore naviguer sur Internet. Bon, le rayon de soleil de ma vie,
prépare-toi à être dans le noir pour toujours. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a une coupure d'électricité? Prépare-toi, Lisa. Le spectacle va commencer. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? C'est vraiment effrayant! J'ai trop peur! Pas mal, mais ce n'est que le début. Est-ce que c'est le vent? Pourquoi est-ce qu'il y a du vent à l'intérieur? Je devrais fermer les fenêtres. Non, il y a quelque chose qui se cache. Ah ah Bon... Oui, elle n'est pas là. J'ai emmené quelque chose. Alors, tu n'as pas aimé mes jouets? Eh bien... Que penses-tu d'un serpent dans notre lit, hein? J'ai envie de faire une petite sieste. Oh mon Dieu! Un serpent! Ne m'attaque pas! Décroche, s'il te plaît! Tout se passe comme prévu. Allez. Tu as dit serpent? J'arrive. Dépêche-toi! Je ne sais pas quoi faire! Je... Oh? Tu es déjà là? Reste calme. Où est-il allé? Il est là-dedans, dans le lit, dans notre lit. Ok, attends un peu. Cette horrible créature mortelle... Fais attention! Ce n'est pas grand-chose. Sors d'ici, espèce de monstre. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Alors je vais te chasser d'ici. Mon héros! Tu as assuré, et voici ta récompense. Eh bien, bienvenue de nouveau à la maison, petite console. Maintenant, je vais te remettre à ta place. Juste ici. Et je suis aussi bienvenue à la maison. La soupe est bientôt prête. C'est une araignée! Qu'est-ce qui s'est passé? Une araignée? C'est une araignée? Lisa, sors là! Ah, je me suis faite avoir! Encore une fois!